Depuis les années 1980 et principalement 1980, on constate qu'il y a des luttes qui rassemblent des femmes sur des questions écologiques. Alors la lutte qu'on cite très souvent, c'est la grande manifestation qui a eu lieu à Washington en 1980, qui rassemblait quantité de mouvements de femmes, de libération des femmes, de mouvements pacifistes, et qui luttait aussi bien contre la guerre nucléaire, contre le militaire, que contre le nucléaire civil. C'était très peu après l'accident de Three Mile Island, et aussi sur des motifs féministes. Donc cette conjonction de lutte de femmes et de lutte écologique, de femmes qui se battent sur des questions écologiques, on en a fait un mot qui est écoféminisme. Alors il faut bien se dire que c'est une très grande quantité de luttes très variées. J'ai cité la marche sur Washington, mais on pourrait parler aussi bien du mouvement de la ceinture verte de la Kenyane Wanga Maathai pour faire pousser des arbres en Afrique, que des mobilisations se sont faites autour de Vandana Shiva, mais qui sont plus anciennes, dites Chipko, là aussi qui sont des mobilisations contre l'abattage des arbres par des femmes. Donc il y a quantité, il y en a en France maintenant, il y en a dans les manifestations sur le climat, il y a des mouvements féministes. Donc c'est une grande variété de mouvements qui n'ont pas de doctrine propre. Mais l'idée quand même, c'est que finalement c'est les mêmes hommes qui dominent les femmes et qui détruisent la nature. Alors, la première chose qu'il faut voir, c'est que la crise écologique touche tout le monde, mais ne touche pas tout le monde également, et que dans les grands dérèglements du climat ou d'inondations, les gens sont frappés de façon inégale et que les plus vulnérables et les moins résilients sont les plus frappés. Les femmes font partie des plus vulnérables et des moins résilients. Alors, parmi c'est ce qu'on appelle des inégalités environnementales. Parmi ces inégalités environnementales, il y a aussi les politiques publiques d'environnement, parce que très souvent, ces politiques publiques qui ont pour rôle de lutter contre la dégradation environnementale, ne prennent pas en compte leurs conséquences sociales. Or, elles peuvent être socialement régressives, si on peut dire, et c'est le cas qu'on cite très souvent des taxes sur les carburants qui frappent particulièrement les gens qui sont obligés de se déplacer et qui ont peu d'argent pour acheter du carburant. Et on peut dire de façon générale, les retombées des politiques publiques écologiques frappent là encore les plus vulnérables et les moins résilients, parmi ceux-ci les femmes, et particulièrement quand ça atteint la façon de vivre. Parce que finalement, qu'est-ce qui reste chez soi, même quand les femmes travaillent ailleurs, qu'est-ce qui prend en compte l'ensemble du milieu de vie, c'est les femmes. Alors je crois que la première chose, avant de prendre des décisions, il faut enquêter. Et ce qu'on voit, c'est que la question des inégalités environnementales est mal connue, et elle est mal connue, en particulier dans ses effets de genre. Donc il y a une enquête importante à faire, et qui peut être aussi une enquête active, parce que c'est souvent les mobilisations qui révèlent des inégalités qui ne rentrent pas dans les catégories normales. À partir de là, il y a une lutte pour les droits, et en particulier, je pense, sur ces questions d'environnement, sur les droits d'accès à la décision. Parce que très souvent, les plus vulnérables et les moins résilients, dont les femmes, pâtissent de décisions auxquelles ils n'ont pu en aucune façon participer.